Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Donc, on peut voir que le dirigeant de Focus, de cette région n'est pas découvert apparemment, même si je pense que c'est Elpenor. Répit du Satyre, c'est donc le point le plus à l'ouest que l'on ait de la région qui s'appelle la Vallée du Serpent. Et donc, j'hésite, donc là je pense que ça va être un simple point de vue de montagne. Peut-être un petit truc tout petit, mais je pense que c'est ici qu'est la fameuse forteresse où est Elpenor du coup. On se TP et on va aller voir si c'est là ou pas. Ok, on y est et notre cible est déjà proche, donc c'est bien ça en fait. Hein. C'est quoi cet endroit? Alors, apparemment, je me serais planté. Temple d'Apollon, si, ça doit être par là. Qu'est-ce que... Oh, il y aurait une grotte dans le coin. Il y aurait une grotte dans... Ah merde, je me suis planté de béton. Icaros, Icaros, reviens me filer un coup de main s'il te plaît. Un mec qui arrive, qui se déplace très très vite ici par contre. Ok, nouveau mercenaire, Dimitrios au nez délicat. Attends bonhomme, comment ça se fait que tu te déplaces comme ça, comme un gros malade, qu'on ne voit pas à l'écran, tu cours aussi vite que ça? Wouah, le mec, l'homme qui n'a pas besoin d'un cheval. L'homme qui n'a pas besoin d'un cheval. Ok, intéressant dans le coin. Peut-être qu'il y aura des entrées secondaires. Notre coffre ici. Donc là j'imagine qu'il y a un campement en fait, à la fois un campement et une zone entre guillemets un peu plus, on va dire, de guerre. On va aller se faire les deux de toute façon. Où est le... Ok, il a pas voulu sauter dans le tas de feuilles qui était là. Tant pis pour lui. Alors. Nicolaos m'a parlé de serpents dans les herbes, mais je ne m'attendais pas à ça. Genre, littéralement, le serpent dans l'herbe. Il dit bien Nicolaos, par contre, hein. C'est pas papa, c'est pas beau papa, c'est... Nicolaos. Espérons que personne ne me remarque. Mais non. Tu vas voir, tu vas gérer ça tellement comme un chef que personne t'aura vu venir dans les deux camps. Tant que j'ai dit ça, j'ai pas intérêt à me planter. Hein. Le problème de venir par le haut comme ça, c'est que souvent, y a pas de... Vous voyez, y a pas d'herbe pour se planquer, ni rien. Faut vraiment descendre tout en bas pour avoir les premières zones de plancouillage. Et surtout, regardez, il y a des gens. Ils sont pas... Ils sont pas identifiés. Comment cela se fait-il? Et on va se déplacer un petit peu. Apparemment il y aurait des choses mais je ne les vois pas. Ah, il y a un monsieur ici. Il y a un truc ici, je crois que c'est un monsieur aussi, non? Non, même pas. Il y aura un truc... Ah là, ici, d'accord, ok. C'est précis, hein. Ok, on est bon. Malheureusement, je peux pas. Hop là. Personne ne regarde dans le coin. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu gueules comme un gros débile? Y'a pas de raison. Oh putain. De quoi? De qui? Hop là, maman. Oh! Il est niveau 11 avec... Alors là, je suis dégoûté. Il est niveau 11, je devrais l'avoir fini avec un coup critique chargé. Alors avec ton nez agile à la con, là... À délicat, pardon, autant pour moi. Là, je suis désolé, il y a des limites. Là, j'aurais dû l'avoir du premier coup. Franchement, légère déception de ce point de vue-là. Ça, ce n'est pas normal. Hop là. Merci d'être approché de l'herbe. Où qu'elle était,
C'est que ça. La tablette ancienne. D'accord. Mais non, tu n'as rien vu. Bon, lui par contre c'est normal, ou elle c'est normal que je n'arrive pas là. Qu'est-ce que tu prépares? Même si, vous voyez, j'ai fait plus de dégâts à un niveau 13. C'est dommage les premiers coups que je lui fais. Voilà. Bon, ils sont alertés apparemment. Hein. Ils savent qu'il y a un mec qui est là. Il devrait pas y être. Apparemment, ça les dérange pas plus que ça. Salut! Hop les coucou. Bon, ça c'est fait. Alors lui là-bas il m'ennuie. Excusez-moi, toujours un petit peu mal à la gorge. J'ai pas entendu piocher. Tu veux bien? Tu veux bien? J'aurais pu tellement la voir avec l'assassinat. T'es mauvais par contre toi, hein. Si je puis me permettre, t'es vraiment mauvais. Là, regarde. Encore un petit coup. Ah, je peux pas le faire tout de suite. Oh! Cette vexation. Je suis vexé, je suis désolé. On va réessayer. Oh! On va attendre que ça disparaisse. Oh! Décède. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tu m'as vexé. Tu m'as même frustré. J'ai pas eu le droit à la mort que je voulais te donner. Je suis vexé et frustré. Ça ne va plus. Bon. Lui, je sais exactement le genre de mort que je veux lui donner. On va voir si c'est faisable. Monte. Allez, monte. Monte sur le caillou. Plus haut, hein, plus haut, plus haut, plus haut. On va voir si c'est faisable. Non! Non! Oh. Allez bien. Oh. Allez bien, c'est bientôt ta fin. Allez bien. Raté. C'est l'heure du sauciflard. C'est l'heure du sauciflard encore. Plus de saucisson. Il est contre le mur, on va en profiter. Joli coup. Saucisson! Bien joué! Saucisson! Je commence à choper le coup, hein. Encore un petit coup? Tu connaîtras bientôt la paix. Tu sais quoi? T'es stylé. T'es tué? Tu veux bien le... Oh, je ne peux pas. Je pouvais pas. Peut-être parce que c'est un garde de lui. Vous savez, les gardes du cosmos. Je peux peut-être pas les... Le culte du cosmos. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux sentir la puanteur de ce Malaka. Je vais laisser. Oh! Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche. Il me respecte vraiment pas. Hein. Tiens, attends, j'ai besoin de lumière. Ça te dérange pas?
J'ai vraiment besoin de lumière. Ce qui est génial, c'est que regardez, même l'épée fait de la lumière, je veux dire. Ah, j'ai pas eu de quoi le faire flamber deuxième fois. Ouf. T'es trop mauvais. Ah, pourtant j'ai appuyé sur X, je peux vous assurer. Bon là j'avoue que j'ai pas vu trop... Le joli coffre. Oh, le joli coffre. Pas très... dynamique. Dit-il. Ouf, la vache, le combo là était pas beau. La vache. À deux dans un endroit aussi petit, la caméra, elle en chie, mais alors. Permet, j'ai un ennemi juré à tuer. Ah, il était sur le point de lancer un coup. Oh, cet irrespect de leur part. Oh oui, oh oui. Ah. Attends, je peux vous jurer que j'appuie. Hein. Oh! J'irais pas jusqu'à dire que tu me gonfles, toi, mais. Attends, il s'appelle l'immortel! Autant pour moi! Ah, je l'ai vaincu! Je l'ai tué, je veux dire. Eh bien! Hop les ratés, t'es trop. Oh mais. Son coup il marche dans. Dans tous les sens. Eh bien! T'es trop mauvais! Ça m'apprendra à me moquer de toi. Et bouffe! Le gros combo. Le culte obtient toujours ce qu'il veut. Nous avons déjà Deimos. Nous trouverons ta mère et toi. Boum. Tu mourras. Ah, faut que je le fasse parler. Attends, d'abord je vais aller se procurer un déguisement grâce à Elpenor. Quoi? Quel? C'est quoi ce bordel? Allez, il me reste un coffre. Faire le coffre. Ça dérange personne. Ceinture de voyageur. C'est un petit peu de fer ici. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Et hop, on parle. Un déguisement? What the fuck? C'est une erreur. L'erreur, c'est de t'avoir écouté à Kefalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Petit pense-bête, la prochaine fois que je veux des réponses, ne pas tuer la personne avant. Une sorte de clé, vous savez, un badge pour rentrer. Bon bah. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Elpenor. Fragment mystérieux. Il pourrait m'être utile. Plastron à écailles. C'est de niveau 13, c'est légendaire, ça va pas être trop mal. Ici, guerrier. Assassin. Hop. Ici, j'ai du violet. Et là, par contre, j'ai du dégât d'assassin à mort. Hein. Donc, j'ai passé là-dessus. Ça me semble logique. Ici, donc, c'est ce que je viens de faire. Je suis débile. Ici, assassin 9%. Oh, c'est laid. Oh, oh, c'est moche. Oh, que c'est moche. Oh, que c'est moche. C'est moche. Oh là là, que c'est moche, c'est vraiment très très moche. Là, je n'ai rien d'autre. J'ai plein d'objets ici. Même du niveau 14, tiens. Parti pour du niveau 14. Vendu, faudra que je me mette à jour. J'ai deux points. Ah oui, mais j'ai deux points, mais toujours rien à mettre aux bons endroits, quoi.
Donc progression de l'histoire, progression de l'histoire. Je progresse dans l'histoire, hein, mais ils veulent pas me les donner. Hein. Tant pis. Ah, par contre, je peux améliorer le navire. Ça peut être intéressant. Alors, du coup, quête. Quête, l'antre du serpent. Parler à Hérodote. Ok, vendu, on va parler à Hérodote. Il est pas très très. Ah, si, il est assez loin, il est un demi kilomètre quand même. La merde. Ah, il y a le mec qui a notre prime. Bon, elle est pas chère. Pas s'embêter avec ça. On va se téléporter directos. Ok, on est de retour au sanctuaire. Si je descends, peut-être que je tombe, peut-être que je lance directos là. La cinématique. Non, oui, non. Pardon. Cinématique. Non. Pas cinématique. Merde. Ah si, j'ai vu le bouton. Enfin, j'ai vu le petit indicateur de quête. Il était là. Hop, je ne le voyais pas. Au top pour moi. Hérodote. Alors, voilà la salle secrète. La subtilité n'est pas leur fort. C'est pas vachement secret, hein, je confirme. Avec les serpents, les machins... Allons-y. Alors, c'est ici. Qu'est-ce qu'elle est moche, maintenant. La salle secrète du culte. Ici. Pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'il les voit d'un bon oeil. J'avais dit qu'il faisait partie du culte, hein. Comment tu me trouves? Beau gosse. Terrifiant. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. On a l'impression que c'est déjà ce que je vais apprendre. Moi ? C'est ça que j'aime pas. J'aime vraiment pas ça. Cela m'embête. Quel imbécile a pu penser que ces costumes seraient une bonne idée ? Hérodote lui-même ? Lui qui est fan de légende. Laisse tes armes, je doute qu'il les voit d'un bon oeil. Ah, gna gna gna. D'ailleurs, au passage, inventaire. Action actuellement indisponible, dommage. Salut mon frère. Ah, Michel, c'est toi? Ouais, c'est moi. Tu es très en retard. Heureusement que Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue? Bienvenue, bienvenue. Qui sont ces gens? Il y a beaucoup de monde ici. Oh putain, c'est l'objet du... temps de chargement. Partage nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion. Qui remonte à... Par contre, ça c'est clairement magique, hein. D'où est-ce qu'ils viennent, tous ces gens? De partout. Même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. C'est quand même pas les assassins? Pas de guerre. Pas même de camp. Qui est Deimos? Tu as mentionné un nom. Deimos. Qui est-il? Oh, tu vas apprendre très vite son nom. C'est notre chef. Il se considère comme tel, mais non. C'est notre arme. Il est Elle? Commode. Mais ce qu'il fait est important. Et je ne l'envie pas, crois-moi. Ok, merci pour cette information. Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Ils vont me couper là. Et en, et à, en, et à. Hein? Merde alors. Et attends, 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 attends. T'as une arme dans le dos? Pourquoi moi j'ai pas eu le droit de garder la mienne? C'est le bizutage des nouveaux. La plus forte enchère rapporte à son auteur l'issue d'une épreuve à la mer. On n'est rien. Non. C'est le plan de la vente pyramidale, c'est ça? Ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir, c'est... quelque chose. C'est intéressant à étudier. Pourquoi ils ont tous des...
Des armes et pas moi. Vous avez vu exprès pour la... Sang, mais qui sait, Deimos réclamera peut-être nos mains. Exprès pour la scène. Au lieu de faire ça tout le temps, il fait ça. Je vais faire mon offrande. Je fais mon offrande. J'espère qu'il n'avait pas le sida. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée? La mère, le père, le frère, tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux, de tous. Pour nous aider. Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme elle est instable. Je me suis jamais Deimos à dos, là, déjà. Elle ne ferait qu'une bouchée de nous. Oh, qu'elle essaye. Moi pour garder le silence. Tu feras bien. Elle ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Qu'allons-nous faire de la mer? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Sache par contre, je suis pas fan. Tu sais où elle se trouve? Non. Mais on ne tardera pas à l'apprendre, crois-moi. C'est la prochaine cible. Attendez, ma mère a disparu. Il recherche la mère. Deimos, une fille qui a l'air d'être un peu baraque comme moi, je veux dire un peu balèze. Cassandra? Et le père, ça aurait pu être Elpenor? Parle-moi de Deimos. Elle nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à une femme si instable des informations aussi personnelles. Ok, je m'en vais. Ping, 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 ping. Oui, à l'ambition. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. Bonjour. Je ne suis toujours pas convaincue. Tu m'étonnes. Moi non plus. Quoi? Nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mère. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu? Faut-il traquer le père ou la mère de la championne? Ni l'un ni l'autre. Tu as une meilleure idée? Le frère. Alexios. Nous le tenons déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Ma sœur est en vie. Non. Et c'est Deimos. Il faut s'occuper de lui. Je l'avais vu venir! Si vous voulez bien m'excuser... Nom de Dieu! Nom de... Oh punaise! Excusez-moi, je voudrais réagir de manière polie, mais... Ou plutôt, comme ils disent dans Hercule, oh mes dieux! Oui, parce que c'est pas oh mon dieu, vu qu'ils ont plusieurs dieux. Une correspondance du culte. Par les dieux. Ils sont présents dans tout le monde grec. Par les dieux. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Donc, ma sœur est vivante, ma mère est vivante. On ne sait pas où elle est. Cela dit, le culte ne sait pas où elle est. Et apparemment, ils utilisent ma sœur comme une arme. Vu les gènes que j'ai, entre guillemets, ça m'étonne pas qu'ils l'utilisent comme une arme. Je veux dire, en règle générale, je suis... Une machine, on... C'est un... Oh. Oh. T'as l'air assez... C'est glauque, ça. Ressaisis-toi, Malnaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Ça te plaît de regarder, petite ordure? Comment il me parle? Tu vas plus qu'en regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Qu'est-ce qu'il a fait? Mérite. Qu'est-ce que ça peut faire? Obéis, c'est tout.
sans poser de questions. Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je refuse. Ah, tu ferais bien d'accepter, parce que je t'en donne l'ordre. Allez! Non, je ne le ferai pas. Laisse une deuxième chance à ce lâche. Tiki a une dette envers toi, sale bâtard! Ce n'est pas aujourd'hui que tu mourras. Tu m'en donnes une belle, toi, hein? Il m'aurait tué. Il est fou. Merci. Évite de le fâcher à l'avenir. Oh oui. Mais il a raison. Je vais aller à Athènes. Je n'échouerai plus. Je vais tuer Phidias. Je viens de sauver un assassin. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide. Fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. Oui, vous avez vu tout à l'heure. Alors, je sais pas si je vais réussir à les penser au montage, mais il y avait un trou. On voyait l'intérieur de la truc. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Il, c'est moi qui vais te tuer. C'est l'appétit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je peux pas l'attaquer. Je peux pas. Parle. Non, tu vas avoir une vraie raison de pleurer. Ah, je veux pas voir ça. Vu que je peux rien faire, je veux pas assister impuissant. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Mais si j'agis maintenant, tout ça n'aura servi. Et donc il y avait un trou dans la pyramide. J'avais pas vu le bling serpent. Je sais pas si je vais pouvoir le voir de là. Vous voyez, il y a un trou là. En bas à droite. En bas à gauche, pardon. Oh, je vais y arriver. Bon bah il semblerait que... Oh, c'est le puzzle du millénium. Je viens seulement de percuter. Yu-Gi-Oh! Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle, il chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? C'est un piège. Oh oui. Mais je tombe dans le piège. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Non. Ma grande guerrière n'est pas encore arrivée. Reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. D'accord, donc cet objet m'appartient de droit, apparemment. Et voici Cassandra. Imagine. C'est Stentor. Elpenor est mort. Elpenor est mort, ah oui, d'accord. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Elle est devenue un poil tyrannique, hein. Et tu es le premier. Va. À mon tour, chère sœur. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à me reconnaître. Non, c'est pas moi. C'est moi? Non.
À mon tour, allez, moi j'ai des couilles, je veux y aller, moi. Je veux voir ce que ça fait de toucher un objet magique. Merde. Et y en a un qui fait une tête de plus que tout le monde, regardez là-bas. Et y'a moi ici. Et attends. Ou alors c'est moi qui fais une tête de plus que tout le monde. Toi. C'est moi ça? On a l'impression que j'ai les yeux de travers. Hein. Peut-être moi. C'est peut-être moi. C'est moi. C'est mignon. Oh là là. Cassandra. Qui es-tu? Va. Toi, viens ici. Génial cette histoire. Ouch. Ah, il a encore des fragments de la... Elle va voir que je m'en vais. Ok. Bon, bah voilà qui remet les choses au point. Notre sœur est vivante. Elle a survécu elle aussi à la chute, sans doute protégée par le même aigle ou par un autre aigle, en tout cas par Zeus, je présumerais. C'est quoi? Et lui, il le savait. Hein. Il le savait depuis le début. Ah, tu es en vie. Il le savait parce que c'est lui qui m'a parlé d'eux. Ils me connaissent. Et ma famille. Ils veulent tuer ma mère. Qui semblerait être du côté d'Athènes. C'est vu que la solution première, c'est de prendre Athènes. Ce n'est pas tout. Vu. Ils ont une arme. De quelle sorte? Une guerrière. Plus forte et plus féroce que tous ceux que j'ai vus. Hérodote, c'est ma sœur. Nous devons aller à Athènes. Athènes? Nous devons plutôt trouver ma mère. C'est là qu'elle est. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. C'est là qu'elle est. Donc j'avais raison. J'avais raison, on a Nikolaos de Sparte. Elpenos, qui est peut-être même mon père encore, qui était peut-être mon père, qui faisait partie du culte de Cosmos, qui avait récupéré donc celle qui n'est pas ma, qui n'est que de ma demi-sœur aussi, vu que normalement, si je me trompe pas, elle, ma sœur, Deimos. Elle était bien de. Pour lire mes souvenirs. De Nikolaos. L'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès? Oui. Un chef de la démocratie. Périclès est le roi des habitants libres d'Athènes. Le roi? Athènes n'a pas de roi. Voilà. Je comprends pas pourquoi je dis chef de la démocratie, il me dit roi. Pas l'inverse. Au service du peuple. Tu as raison. Ça ne ressemble pas à un roi. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre. Comme nous tous. Si des forces se sont alliés contre lui. Il faut le prévenir. Allez, partons. Je m'inquiète seulement pour ma mère. Athènes? Le culte traque ma famille. Ma mère. Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous. Y compris ta mère. Assez avec ta guerre! Le culte veut exterminer ma famille. Tu as un devoir envers le monde grec. Tout comme voilà. Tu es un héros. Prévenir Périclès. Accepte ce poids sur tes épaules.
Qu'est-ce que tu ferais à ma place? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Là, j'ai peur qu'il me mène par le bout du nez, en vrai. Mais bon. Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Après, la véritable question, c'est pourquoi ils en ont après moi. Après mon sang. Et avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyles. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Est-ce qu'il est possible de reconstituer en entier la lance de Léonidas ? Mais faisons vite. Les Thermopyles et ensuite Athènes. Je pense que c'est ça qu'il veut voir. C'est vrai que ce serait génial. Les quêtes, comme ça, il y a toujours un objet, vous savez. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. Ok. Culte de Cosmos. Le culte de Cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et l'annihiler définitivement. Ouah. Ah ouais. Depuis le menu des adeptes, utilisez le nouveau indice pour dévoiler des adeptes et traquer et éliminer le culte du Cosmos. On en a déjà éliminé deux, les yeux du cosmos. Adepte. En Mégaris, entrepôt, d'accord, nanananana, d'accord. Sage, non découvert, l'élu. D'accord, ok. Ok, c'est génial cette histoire. C'est génial, ok. J'adore. Ok, il va falloir que j'améliore ça aussi bientôt, là. Il va falloir beaucoup plus d'or, par contre. Plein de trucs. Ok, tiens, regardez, il y a encore un sagouin dans le coin qui veut nous abattre. Malheureusement pour lui, c'est moi qui vais l'entamer en premier. Le poète héroïque. C'est pas ce que je voulais faire. Allez, bouffe! Oh, t'as de la chance. T'es coincé? Sérieusement, bonhomme, t'es coincé? Je peux te voir. Continue à tirer tes flèches à travers le... Hé, hey, il est là! Oh! Allez! On réessaye! Oh! D'où est-ce que vous venez, vous? Et d'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Bah lui! J'aurais dû les charger toutes. Il est là ! Je t'ai retrouvé ! Je vais pas monter ? Je sais pas que tu me saoules là, mais... Reviens ici, serpent ! Voilà ! Allez, merci d'être venu, au revoir. On va aller... dépouiller. Ce lieu sera bien défendu. Mais où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Sanctuaire d'Athéna Pronaïa. Je n'y pas. Ça, c'est moi, ok.
Forcément, il va y avoir des gens un peu partout, je présume. Ça dit, c'est un sanctuaire. Peut-être que ça va pas être aussi... aussi plein qu'est-ce que l'on pourrait le croire. Non, je sais pas. Bon, on verra bien. Ça m'envoie directement là, donc j'imagine... Tiens, c'est un mec qui est arrivé une connerie à lui. Ok, bon bah... Ouais. Dommage, j'étais parti pour faire de l'histoire, moi. Allez, saute. J'ai plus de flèches, et c'est... Ah, si j'ai une flèche. Attention aux chiens, parce que j'imagine qu'ils peuvent me sentir. Alors, ma question c'est de savoir s'ils vont être violents les chiens en fait. Effectivement ils ont pas de raison de l'être. Uniquement. Alors, attends qu'il arrive. Il vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais réussir à le tuer, oui. Premier coup. Génial. Je m'en fiche, hein. Qui m'ait vu voler, je m'en bats les couilles. Honnêtement... Rendors-toi, mon ami, rendors-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Hop là! Tu n'as rien vu venir. Casque impérial, oui. Alors, tuer les gardes du culte. Oh. Il y en a beaucoup? Ça l'a pas tué? Si. Hop les. Tu n'as rien vu non plus. L'ostracon à énigme et le trésor. Le trésor je l'ai, je crois que l'ostracon je ne l'ai pas, cela dit. Sauf s'il est caché dans le trésor. Mais j'en doute. Autant pour moi. Il est là. Ok. Rien vu, rien entendu les amis. Bon. Petite question, il y aurait pas un... Ah, il est là, donc c'est pas la peine. À ce tarif-là, c'est même pas la peine d'essayer. Les aptitudes. Histoire. Histoire partout. L'inventaire. Ça, c'est mieux. Ça, c'est même encore mieux. Ici, j'ai trouvé... pas terrible, ce truc-là. Ok, ça c'est mieux. Au niveau des lames, peut-être une arme de niveau 14? Non!
que dalle. Bon, très bien. On va donc aller voir au niveau de la quéquette. J'ai pas de quête en cours. Ah bon? Quoi ce truc? Depuis les ombres. Ah oui d'accord, ça c'est les... Le culte de Cosmos, d'accord, ok. Un vieil ennemi et nouvel allié. Souvenir éveillé. Par les Hérodotes aux Thermopyles. On va aller se faire ça. On va aller se faire ça. Les Thermopyles, c'est de l'autre côté ici. Vous savez quoi? On va tout se faire. On va aller se faire Hippodiclès qui nous a mis une amende. Enfin, une prime. Merde. Et on va aller au passage ensuite aller chercher la suite de l'histoire. Alors, je présume qu'il est au petit camp qu'on avait déjà fait une fois. Bonjour. Forcément. Donc on va essayer de le finir très vite. C'est histoire de l'avoir fait. Je dois rester caché pour éviter un coup. Très vite et très silencieusement. Y a quelqu'un sérieux là-bas? Non, y a personne. Non. Bon. Et le respect, mon ami. Tu me diras, je suis en train de te violer contre une carte, donc. Ah, j'ai plus qu'une flèche, je la garde. Ouf. Vous êtes pas très dynamique, hein, les mecs, hein. Boum! Dire adieu à quelqu'un! Qui t'a appris? L'attaque, une chèvre! C'est ça qu'il a dit? Un bâton grec de niveau 14, génial! Dis donc, t'as un joli nom, toi, mon ami! Allez, viens. Il y en a une deuxième qui est arrivée, c'est ça? Chouchou, je veux pas te faire ça. Aïe. Faut que je m'occupe du chien, malheureusement. C'est fait. La parricide, toi aussi? Oh. Ah bah tu mérites d'être sauvé rien que pour ça. Allez, tu vas venir avec nous, toi. Parce qu'il fait à un moment, il y a un truc chelou au niveau de son bouclier, peut-être. Oh. Ah, pardon. Oui, là, j'étais stupide. Autant pour moi. Alors. Raté! On va prendre cher! Ça, c'était pas prévu. Bah, battez-vous entre vous. Ou alors, ils savent que c'est parce que je les ai. Maintenant, battez-vous! Je viens de te sauver la vie, hein. On va faire comme si tu l'avais pas vu. Voilà, fais-toi agresser par le lion. Attends de pouvoir régénérer, hein. Profite un petit peu. Même si je vois que le lion... Ça aurait été à la limite plus facile. Accepte ta mort, Mystios à l'aigle. Mystios à l'aigle, donc assez qui je suis vraiment, hein. Ça fait pas mine, hein. La vache. Ce qu'elle m'a mis d'un coup, là.
Ne pas prendre feu, voilà ce que tu dois faire. Ne pas t'enflammer. Oh la vache. Je suis dans le rouge. Si tu abandonnais plutôt. Raté. Ils sont deux et j'en chie. Un beau combo en cours. Oh. Oh. Voilà. Elle est toute seule maintenant. Allez, viens. Astraya, tu vas faire partie de mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Allez, viens. Merci. Ça brûle ? Bah alors ? Pourquoi tu vas aller dans la tente ? Tu veux déjà y aller avec moi ? C'est pas pour tout de suite, c'est une fois que je t'aurai engagé ça. Accepte ta mort, Mystios, à l'aide. Eh bien ! Tu n'en as plus. Qu'est-ce qu'elle parle ? Mystios. Arrête de parler ! Combat-moi ! Arrête de parler, te dis-je. Non, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. D'un seul coup, le dernier point de vie, en fait, il va très très vite. C'est pas la première fois que je me fais avoir, malheureusement. Confirmez l'assassinat. Je sais pas ce que ça veut dire. Faux de griffon. Ok, je sais pas ce que ça veut dire du tout, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, j'imagine. Ça veut dire que je la reverrai peut-être plus jamais. Une lance légendaire. Elle est jolie. Je reconnais qu'elle est jolie. Moi j'adore me battre avec la lance. Ça a une portée vraiment géniale. Pour jouer avec, c'est vraiment génial. Il n'y a rien d'autre que je préfère de plus. Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais bref. Ici toujours 2 points et pas d'histoire. Bon, on va aller se faire vite fait le déplacement. Les thermopiles. Ok. Coup, on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. Bon. Alors. Ouh, joli. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageuses Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. C'est pas faux. C'est pas faux, on le sait encore aujourd'hui. Dis-moi ce qu'on fait ici. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors, pourquoi, Hérodote ? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Mm-hmm. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Aïe. 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 Et voilà la lance. Aïe. Je ne suis pas fan de l'acupuncture. Qu'est-ce que...
Alors normalement je pense pas qu'il ait pu s'allonger vu à quel point l'épée ressortait derrière. Mais bon. Hérodote, je vais bien. Je vais bien. Donc la lance aussi est magique. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Et donc ? Vous savez que la lance réagirait ainsi, pourquoi n'y avait-il que Sparte ce jour-là ? Où étaient les alliés de Sparte ? Les Spartiates n'étaient pas les seuls Grecs à s'opposer aux hordes de Xerxès. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes, prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leurs regards, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. Et c'est souvent la même chose. Qui avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Bah, qu'est-il arrivé à Léonidas, on le sait, ça. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille ? Xerxès était renommé pour sa clémence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Miam. Il s'ensuivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. Qu'est-il arrivé au traître ? Il est arrivé à Éphialtès, le traître. Xerxès l'a récompensé. Mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu, en lâche. D'accord. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. La force du fruit. Une mystérieuse forme taillée dans la pierre. Différente de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Ah ? Et qui sont ces gens qui étaient là avant ? Peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Zeus l'a reproché à Prométhée. Voilà. Oui. Il y a déjà une histoire comme mais ça. Peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foie. Ok, partons pour Andros, la force du fruit. La lance est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. La force du fruit. Ok. Sympa la petite... le petit flash info. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous ? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Il y a Barnabas, mais je vois pas Hérodote. Dieu a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Attendez. Moi, si je veux du réalisme, je vois Barnabas ici. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme elle est énorme. Il faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. J'ai un barde. C'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver avant lui. Je pense qu'ils sont... Par Hermès,
l'office de l'oracle corrompu, et maintenant ce culte. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête? Je n'en suis pas certain, mais... ça pourrait être ma sœur. Ta sœur? Par Zeus, tu as une vie compliquée. C'est pas faux. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais trois ennemis, dont un qui se bat comme Arès et manie la poudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Je sais pas ce qui se passe, mais... Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Ah, c'est bon. Mène-nous à Athènes. Faut d'abord aller à Andros. Alors, va pour Andros. Ok. Bon, bah les amis, du coup, ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas, finalement, récupéré... Enfin, s'occuper de la... Qu'est-ce que tu veux dire? La prime, vu qu'on a apparemment une prime qui est revenue du même taille. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer? Par Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Mon père m'a appris que la mer était cupide, et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par... Tipiak ! On va les aborder et se servir. Alors allons-y ! Partons à la chasse aux pirates ! Ok. Eh ben on fera ça dans le prochain épisode les amis, merci d'avoir des soucis, n'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner, et moi je vous retrouve dans la suite. Merci et à plus. Salut !